Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va passer 4 jours à Ubud et on vous emmène avec nous des activités, des restos, des hôtels, enfin tout ce qu'il y a à faire ici en 4 jours. Et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc on tient à vous remercier. Ouais, vraiment super. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas, liker. Ouais. Il y a plein de projets qui vont arriver. Et allez, voilà. C'est parti. Bon ben là ça commence pas très bien parce que gros orage, il pleut. Ouais. Bon ça y est, on est arrivé dans l'hôtel qu'on a choisi mais on n'a pas encore payé. Là on demande à visiter, donc on va visiter et puis c'est bon, ben on prendra 2 nuits ici les gars. Voilà. Donc ben là du coup c'est 19,50€ la nuit, donc on va rester là, c'est propre. C'est pour ça qu'on aime bien vérifier en fait. Bon c'est pas la... Ah ben non, ça va. Voir la jungle. Normalement, il y a des singes, j'ai vu dans les commentaires. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Ouais, apparemment, bien. Tu peux voir des singes parce qu'en fait, la Monkey Forest, elle est ouais, à côté. Donc voilà. Trop bien. Alors, ça y est, il pleut plus. Donc là, je voulais aller dans un restaurant qui est où c'est un chef français et il fait de la cuisine indonésienne mixée avec quelque chose de français. Quoi. Ouais, malheureusement, il est fermé et c'est un très bon restaurant apparemment. Mais du coup, je pense qu'il est fermé à cause du Covid. Ah, dommage. Du coup, là, on va aller dans un restaurant indien, pas indonésien. Ouais, indien. Et j'adore manger indien. Mais là, dans la suite du séjour, on mangera bien indonésien, on vous montrera. Au revoir. Alors la petite serviette. Celle-là est parfaite. Ah ouais, beaucoup. Ça sent quoi? En Indonésie beaucoup et en Thaïlande. Ouais c'est vrai. Ils donnent des serviettes dans les salons. Et tout. C'est vrai. Ouais c'est. Apparemment c'est pour les que les mains. C'est que les mains je crois. Imagine. Moi j'aime bien tout le temps que c'est frais et tout. Alors, Lise a pris un dessert, ça s'appelle les beignets indiens. Allez, regardez. Ben, y a rien dedans, mais c'est bon. Et je m'attendais à un truc dedans. Comment ça, y a rien dedans, fais voir. Ah oui, il est mis. Ouais, mais c'est bon, mais y a rien. Regardez, on vient de se réveiller, y a lui, il est là. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? T'arrêtes? Bon, on prend le petit déj. On avait des fruits aussi. J'ai oublié de filmer. Bon, voilà. Premier jour, on va aller dans un petit beach club qui s'appelle Kretia. Vous avez le beach club et vous avez aussi des... Un grand jardin bien aménagé, là vous pouvez faire de la balançoire, vous voyez. C'est trop beau et regardez, on est trop contents parce qu'on cherchait ce gorille depuis longtemps, vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? C'est trop beau, vraiment. C'est parti, on va au gorille, go go go! Je pense que c'est cool, si vous voulez, baladez-vous partout. Baladez-vous partout, ouais, c'est trop beau, regardez. Même ici, il y a la petite rivière et tout. Bon, lui il est déjà au gorille, hein. Il veut aller au gorille. Hein. Il est là que pour ça, lui. Non, je rien, t'imagines. Bon, les gars, maintenant, il est temps d'aller au beach club. Go, 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 Kretia. On va manger, boire. Ouais, on va tout faire. On arrive enfin au beach club. Regardez comme c'est trop stylé. Donc au niveau des prix, si vous voulez rester ici, c'est 250 000. Vous pouvez rester la journée. Vous pouvez commander ici, vous pouvez être 4. 1 million, c'est.
Et nous, on a pris ici, c'est un minimum de 750 000. Et qu'est-ce qu'on a commandé? Des carbonara. Ouais. Pas de carbo, un double beef burger. Et quoi? Quesadilla? Ouais. Quesadilla, chicken. C'est tout? Pour l'instant, c'est tout. Après, on commandera des desserts. Oui, oui. Donc, nous avons commandé le burger, les quesadillas et il y a un dernier truc qui doit arriver. Yes. Thank you. Ah bah oui, c'est les pâtes à la carbo. Ouais. Et voilà les petits desserts. C'est beau. Donc deux petites crèmes brûlées juste ici. Et là, vous avez le tiramisu. C'est beau. Est-ce que c'est bon? On va voir ça. Allez, allez. Je trouve la crème brûlée, mais regardez, elle est verte et tout. Elle est verte. Il est marqué pendant. Je sais pas ce que c'est. Mais... c'est bon? Ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y en a pas plus, quoi. Ah ouais, j'avoue. On est vraiment. C'est tout petit, c'est une petite tasse à café, quoi, à côté de ma main. Chacun. J'avoue. Miam, miam, j'ai hâte de goûter. Et le tiramisu aussi, vas-y, montre-nous ta réaction pour le tiramisu. Alors? Bah moi, j'aime. Il y a du café, donc j'aime pas. Ouais, mais ça va, parfois ils sont bons, non, quand même. C'est bon, mais j'aime pas trop le café. Ok. Toi, tu vas aimer. Il dit ça pour que je dise, allez, garde la deuxième crème brûlée. Oh, I'm slipping away. So don't let me go, na, na. Et voilà les gars, la journée elle est finie. On va aller se coucher et demain on reprend l'exploration. Eh les gars, deuxième jour aujourd'hui à Ubud. On va faire de l'exploration, on va aller voir quelques waterfalls qu'on n'avait pas fait. Elles ont l'air super. Ensuite on va manger dans un truc trop bien et puis après il y aura des imprévus comme d'hab. Donc c'est parti. Alors, premier arrêt, nous sommes à Penghempu. Je sais pas si on est au bon endroit. Normalement, oui, selon le GPS. Mais c'est pas marqué. Donc, on va voir. Donc, l'entrée, c'est ici. Mais il y a, bon, y a marqué waterfall, donc cascade. Il n'y a pas marqué le bon nom. Donc, on va voir. On est suivi par des singes. Ouais, du coup, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles et tout. On sait jamais. Ils nous observent. Oui. En fait, il y a personne et c'est pas indiqué là, donc je sais pas si on va au bon endroit. Ouais. On va voir. On dirait vu le bruit, non? Ouais. On a l'air de se rapprocher de quelque chose. C'est bien là, on y est. Ah, il vient de m'arriver un truc trop ouf, dégueu. J'ai marché là et en fait c'est des t'enfonces et tout, mes tongs se sont fait absorber. La bouillaque. Allez. Bon les gars, elle est vraiment belle. Ça fait vraiment tropical. Vous avez vu, il y a la mousse et tout. Franchement, c'est stylé. En plus, on était que tous les deux. Il y a juste un autre couple là aussi qui sont venus faire des photos. Et bah les singes ils nous observent encore, là on va continuer, y a un autre truc à côté, on va aller voir ce que ça donne et après bah, on va à la prochaine. Donc nous sommes bien à Leke Leke Waterfall, il y a une petite balançoire, c'est tout aménagé ici. Bon là vous voyez c'est bien aménagé, il y a des petits spots photos un peu partout. Apparemment il y a 15 minutes de descente, donc on va voir. La remontée toujours est plus difficile. C'est beau quand même, on est vraiment dans la jungle. Bon par contre ça fait un petit moment là. On marche. Ouais, c'était un moins 15 minutes. Ouais. En fait on est tout descendu là, on fait que on remonte maintenant. Ça y est, on est arrivé. Bon c'est là il y a du monde là. Ouais. Donc on va attendre notre tour pour faire les photos. C'est des astuces de descendre.
Bon, celle-là, elle est vraiment belle et super impressionnante quand même. Ouais, à faire absolument. Regarde, c'est pas glissé. Ouais, par contre, on est en retard et il faut que j'appelle l'hôtel parce que normalement, on a le check-out. Il va être midi et on sera là-bas dans au moins une heure et demie. Non, ouais. Et c'est à midi normalement le check-out. Donc bon, allez. Donc c'est bon, on a récupéré les bagages. On avait une heure et demie de retard. Je sais pas, ils ont rien dit. Ouais. Donc on y va vite avant qu'ils changent d'avis. Ouais. Et là, on va manger à Sweet Orange, un restaurant que Leslie a repéré, ouais, la spécialiste du restaurant. Ouais. On va tester. L'accès du restaurant. Oh putain, arrête, ça me fait peur. Au pire, tu tombes dans la rizière, mais bon. On a vu elle le faire et ben, on s'est dit bago. Voilà. Après, vous allez le faire à pied hein, et vous garer avant. On est arrivé au resto. Ouais, on est arrivé. C'est juste ici, c'est trop beau. Regardez, ils ont fait des têtes de personnages dans les noix de coco. Donc on a pris les jus qui sont apparemment très réputés ici. Mmh. Vas-y. En fait, c'est une cuillère. C'est une cuillère. C'est des smoothies un peu. C'est quoi que t'as pris? J'ai pris mangue, fraise. Et c'est trop bon. J'allais dire en anglais. Mangue, fraise. Et c'est trop bon. Ouais. Et moi, c'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Pomme, mangue, ananas et sucre brun. Alors, quel est ton préféré? Je vais goûter le tien. C'est similaire non, parce qu'il y a de la mangue. Ah, le tien il est meilleur. Vas-y, je veux goûter un tout non, petit c'est... peu. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors. Alors. C'est grave bon. Hein. Essaye de caler le téléphone comme ça. Hein. Ouais. Est-ce qu'on te voit pas, toi? Moi, je me suis fait. C'est super bon. C'est grave bon. Ouais. On a dit ce qu'on a choisi, je crois, là. T'as filmé les plats? Ouais. Migoreng. Mi goreng, donc d'habitude c'est en Asie goreng, c'est avec du riz. Là c'est avec des nouilles et un curry poulet. Et les pommes de terre, il y a plein de petits légumes, trop bon. Et les petits smoothies. Ouais. Non, c'est grave. Ouais. Oh my. Si. Oh putain, je vais prendre l'arbre. C'est parti, on va au nouvel hôtel. Exactement. On se dirige toujours sur le petit chemin. Ouais. On apprécie la vue. C'est clair. Et on va faire le check-in du nouvel hôtel. Let's talk about love. Like you and me all night and let's talk about. Là on va vous montrer un truc pas trop mal. Vas-y. Donc c'est de la glace qu'ils font dans les noix de coco. Il y a déjà du monde. Hein. Alors, ça vient d'arriver. Petite glace. T'es fatigué? Ça va te mettre la patate. Alors, qu'en penses-tu? C'est bon? Ouais. Ah, et là, il y a l'assiette de fée qui arrive. Yes, thank you. Waouh. Ça a l'air trop bon. Salade de fruits avec la glace. La glace qu'il est en train de dégommer. Mais c'est parti. Plus, c'est le même prix que... les deux, non? Oui, c'est ça qui est fou. C'est plus rentable, ça. C'est plus rentable de prendre la salade de fruits. Parce que c'est le même prix. Et là, vous avez une boule. Ouais. Tant qu'à faire. À part si vous aimez manger l'intérieur de la coco, ouais. En fait. Ouais. Donc, on vient d'arriver à l'hôtel The Wakanda. Ils nous ont fait un petit... comment on l'a dit? Je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est dans la culture balinaise. Pendant les cérémonies. Voilà. Et on va faire le check-in. On va vous montrer un peu la chambre et puis on va se coucher, je pense. On est KO. Et demain, ça continue l'aventure. Ça continue, ça s'arrête jamais. Nous sommes bien accueillis. Non, vraiment, là, c'est top et tout. On a le petit welcome drink. Et vous allez voir, c'est vraiment beau et tout. Là, j'en ai aperçu, on va vous montrer. C'est vraiment très joli. C'est au calme. L'endroit, vous allez voir, c'est une tuerie. Et apparemment, c'est pas très cher. On vous mettra le prix, non, vraiment. C'est très bien situé sur la route. Ouais. Quand on arrive, il y a plein de rizières. Ouais. Et franchement... sont super gentils et tout là déjà moi j'aime bien la petite attention comme pour la cérémonie ouais. Qui purifie c'est et clair tout. Enfin, trop bien c'est stylé allez c'est parti.
Goûte-moi ça. Ça donne quoi? C'est quoi celui-là? T'aimes pas? Non, mais il y a quelque chose, c'est un peu de gingembre. Ah. C'est trop bon. Je pense qu'il y a du sucre, du gingembre. Ah oui, chose, on l'a déjà goûté celui-là. Enfin, on l'a déjà eu, un truc comme ça. C'est grave bon. Bon, allez, les gars. C'est trop bon. On va demander ça tout le temps dans la chambre. I welcome drink. Bon, regardez, la chambre est là. Regardez comme c'est stylé. C'est un peu sombre. En même temps, il fait pas beau du tout dehors. Ouais. Des gros nuages. Donc. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Parce ouais. Non, c'est très. Ouais, c'est très propre, très beau. Regardez le bain là. Il est trop stylé. Ça te démonte. Ça, c'est une bonne baignoire. Hein. Ça doit être en pierre de lave, si ouais, faut. Ouais, ce que j'allais dire, ouais. On dirait. Et voilà. Et la douche, elle est là. Voilà. Vous avez même le réfrigérateur. Il y a une armoire ici, les toilettes là-bas. Non, c'est super joli. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc là-bas, où vous pouvez faire du yoga, il a dit. Oui. En dessous, il y a le spa à l'intérieur. Et vous avez la piscine ici. On va vous montrer. Et je vais vous montrer en drone carrément et d'en bas. Hey, comment ça va? Nous, ça va. On a bien dormi. Là, on va se balader un petit peu. L'hôtel, il propose un petit trekking. Donc, on va aller faire ça et après, on va déjeuner parce qu'on a faim. Et on va aller se balader dans les rizières, apparemment. On va essayer ces légumes. Ça s'appelle pakou. Pakou. What I mean? Nice. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Oh bah les gars, c'est vraiment cool, hein. On est au milieu de toutes les rizières. Et bah on a fait tout le tour là, l'hôtel il est là-bas en face. Et c'est vraiment joli en fait. Là les rizières sont grandes, vous baladez en plein milieu. Franchement c'est cool. Voilà, puis le guide est sympa, il vous explique plein de choses. Ce qu'il faisait ici quand il était jeune, parce qu'il habitait ici. Enfin il habite ici depuis qu'il est tout petit, etc. etc. Donc vraiment super cool. Bon là c'est chaud par contre. Là, oh, là on s'enfonce bien là. Oh non, j'ai break. J'ai cassé. J'ai break. Tu veux que la vraie? Yeah. C'est la bouillaque générale. Pour faire fuir les oiseaux. Bon, dernier jour à Ubud. Normalement, on a le petit déj flottant. Mais là, cette fois-ci, c'est le matin qui pleut. Donc, on attend. On va voir. Et j'espère que ça va s'arrêter et qu'on va pouvoir faire le petit déj. Ça y est, le temps s'est dégagé. Regardez. Hop. Là, ils sont en train de mettre le petit déj. Ce qu'il y a, c'est joli. Thank you. Yeah, thank you. Ah ouais, regarde le petit dessin. C'est un peu bougé en le ouais, temps. C'est un peu bougé. Mais ça va. On dirait voilà. Pas qu'il va tomber. Ouais. Bon ben moi j'ai faim. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre séjour à Ubud. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. On en a fait une longue vidéo parce que... On nous l'a demandé. Vous nous l'avez beaucoup demandé. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-nous... Ouais, dites-nous, ouais. Ouais. Dites vos suggestions en commentaire, etc. Et on vous dit à très bientôt pour une superbe expérience. Ouais. Allez, bye. Ciao.